Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver au Parc des Princes pour ce match du groupe D entre la Croatie et la Turquie. Toujours le problème de droit d'auteur hein, qui m'impose de séparer les vidéos en deux. Mais bon, toujours la possibilité de participer à la question de concours. Je ne dis pas dans quelle partie, en tout cas, première mi-temps ou deuxième mi-temps, elle sera posée. Peut-être de la pluie annoncée à Paris. Un temps pas vraiment clément, mais voilà. Ah, elle a été, la manette a été déconnectée. Plein rechargement, je l'ai rechargé toute la nuit, je sais pas pourquoi, enfin je la réactiverai juste après. Voilà, pas digne de Turc malgré le maillot et voilà une grosse insatisfaction au niveau turc, effectivement énormément de joueurs. J'ai comptabilisé pas moins de 9 absents hein, dans cette équipe turque malgré le maillot, malgré les titulaires en présence là qui sont bien dans les 23, mais il manque quand même beaucoup trop de joueurs de la part de Konami. Arun Tekin du Boraspor, Onur Kivrak du Trabzonspor, Ahmet Salik de Gansler Riblikli, bon, il n'y a pas tous les clubs non plus, Gokan Gonul de Fenerbahçe, Ismail. Pourtant on est en rechargement. C'est la manette numéro 1, c'est ça. Là pourtant elle est chargée au maximum, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, allez, pas trop le temps parce que comme je vous le dis, c'est 15 minutes de vidéo et peut-être qu'il va avoir des buts. Donc voilà, alors j'en étais où de tous ces joueurs manquants? Gokhan Gönül, Fenerbahçe, Ismail Kobasi de Beşiktaş, Nuri Sahin de Dortmund, hein, grosse absence ici aussi, Yunus Mali de Mainz, Cenk Tosun de Beşiktaş, et Emre Mor, l'attaquant de Nord-Jylland dans le championnat norvégien. Trop d'absence, hein. Konami fait pas le boulot. Voilà, il y a une grosse communauté de Turcs en France et même les Turcs aimeraient bien. Attention, la première incursion, la frappe croisée, 1-0 pour la Turquie. Directement dans ce début de match, malgré les marquages individuels que j'avais placés, c'est Burak Yilmaz qui part dans le dos, bien servi. Les Croates sont surpris dès l'entame de match, pourtant ils sont supposé être supérieur dans cette rencontre au niveau des statistiques. Alors ça va être compliqué, je pense qu'il va y avoir des buts hein, parce que je pense que la Croatie ne va pas rester là. Ils ont 76 en défense les Croates et les Turcs ont 71, 82 au milieu de terrain pour la Croatie, 81 pour la Turquie. Belle passe hein, dans le dos, à la limite du hors-jeu, plat du pied ensuite pour battre Subasic, c'est parfait. On va quand même faire start pour passer. On va se contenter de ce ralenti proposé par Konami. Voilà. Hop là. Et on fait start. Ouais. Exact. Donc ça fait 1-0. Voilà. L'attaquant, hein, Burak Yilmaz, il manque pas mal de joueurs. Et bien sûr, on a des vieux joueurs hein, comme... Attends, je n'ai pas parlé du secteur offensif. Au niveau des deux équipes, 81 pour la Croatie, 74 pour la Turquie dans ce jeu vidéo de Konami. Pas de Croatie dans le jeu d'Electronic Arts, donc c'est pour ça qu'on ne le fera pas sur Electronic Arts ce match. Et la Turquie, donc voilà, il y a Mevlüt Erding qui est toujours là, hein, le joueur de Guingamp dans l'effectif turc, et Umut Bulut du Galatasaray. Voilà, il y a trop de joueurs qui malheureusement ça ne correspond pas. 9 joueurs, ça commence à faire, on est atteint presque la moitié de l'effectif turc qui n'est pas présent dans le jeu. Alors voilà, moi je trouve que Konami a un petit peu abusé, je comprends pas. L'UEFA fait confiance à Konami, lui donne des crédits hein, pour soit être le jeu officiel de cette compétition, mais il faut un petit peu plus de travail je pense de la part des Japonais ou du bloc qui travaille. Attention encore à la balle en profondeur, mais ça sera sous basse. C'est probablement très très bon début de match des Turcs. Mais voilà, je comprends pas, ils ont des bureaux maintenant au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas suffisamment d'équipes pour mettre à jour les effectifs. On rappelle qu'Electronic Arts est à jour malgré que ce ne soit pas le jeu officiel.
Tous les joueurs de Turquie sont présents dans le jeu. Chaque groupe de 23, de 19 équipes sur 24 est au complet. Alors certes, il n'y a pas la réactualisation des maillots, mais quand même. Nous avons cette équipe croate qui devrait normalement être en bonne posture pour remporter ce match, car il y a quand même de très très bons joueurs hein, côté croate. J'avais pronostiqué 2-0 pour la Croatie. On va y revenir hein, sur cette équipe croate dans ce groupe D, donc avec l'Espagne. On rencontre à nouveau l'Espagne, ils les rencontrent souvent en phase de groupe, hein, les Croates. Il faudra réussir ce premier match. Là, ce sera probablement les Turcs qui dominent. La Croatie contre de nombreux joueurs intéressants. Hein, Marcelo Brozovic de l'Inter Milan. Kovacic bon, du Real Madrid. Modric du Real Madrid lui aussi. Perisic de l'Inter. Rakitic du FC Barcelone. Mandzukic de la Juve. Trop de bonne qualité, hein, franchement, dans ce jeu. Hein. Sans citer en plus, j'ai cité Rakitic. Perisic, franchement, il y a du beau monde. Il n'y a plus Ivica Olic, hein, bien sûr. Hein, parce que bon, côté croate, on n'a qu'un joueur absent, je crois. Alors, c'est qui? Ça, il y a eu un effort de fait, mais bon, j'ai dû faire quelques transferts, je crois, au niveau croate, pour aboutir à la vraie formation. Ouais, j'ai dû faire venir Gordon Schildenfeld de Dynamo Zagreb. Il y a quelques équipes, donc ça va. Ivan Strinic aussi, hein, que j'ai remplacé, j'ai mis à la place de Léo Vac. Strinic du Napoli, Ante Koric de Dynamo Zagreb, Marco Rog du Dynamo Zagreb aussi, et Dujkop de Malaga. Et donc il reste Josip Pivaric, que je n'ai pas pu remplacer. Il manque Tim Jedvaj du Bayer Leverkusen. À force d'enlever des équipes, d'en remettre, on ne trouve pas tous les joueurs. Enfin bref, voilà, mais gros scandale hein, au niveau turc. Hein. 9 joueurs absents, c'est vraiment trop important. Et cette pluie diluvienne, bon, voilà, c'est ça qui pose autant quand même à Paris. En espérant qu'il y ait moins d'échauffourées qu'à Marseille, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup trop de. Même dans le stade après la fin du match, ce 1-1, hein, justifié par le manque de réalisme de la part. Ouais, puis ça glisse beaucoup, bah, ils sont mal cramponnés aussi. Hein. Comme le match de l'Angleterre, ou je ne sais plus quel match, où ça n'arrêtait pas de glisser. Dans le Angleterre Russie, je crois que c'est le match précédent. Le match à 15h. Ah, ça c'est bien centré avec Mandzukic qui va récupérer, qui va se battre. Il va récupérer en puissance. Il se bat, mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Il va quand même exercer un pressing qui lui permet de récupérer. Attention, le centre de Mandzukic peut-être qui déborde. Mandzukic qui n'a pas trop de solution. Il va revenir en arrière à la passe courte avec Perisic. Perisic qui. Malheureusement en contact. Allez, on va passer en personnalisé, plutôt en défensif côté des. Encore, côté turc. Perisic. Ouais, ça c'est bien joué le retour. Kovacic, Perisic. Les Croates qui sont mal entrés dans cette rencontre hein, face aux Turcs et qui progressivement essaient de récupérer un petit peu de qualité de jeu. Volkansen. Ouais, ça circule bien hein, côté turc, on va passer en défensif quand même pour sécuriser ce score à la mi-temps. Ouais, bien défendre, récupérer Juan Cernard. Ouais, il va falloir monter vers l'avant maintenant. Côté croate, on ne retrouve pas la qualité croate pour le moment de. On pourrait s'en attendre dans ce jeu vidéo malgré la qualité des joueurs. C'est assez étrange de voir des difficultés côté. Voilà, on a du mal à combiner. Les Turcs qui récupèrent des ballons. De long, ça s'est bien joué. Est-ce que de la tête, la bagarre et la récupération croate. Mandzukic est bien bas. Mandzukic, Brozovic, Cernin. Match serré, hein, mais les Croates n'arrivent pas à combiner pour passer cette défense turque. Il domine pour le moment et ça va sûrement siffler avant la dernière action. On va voir peut-être là-dessus Mandzukic qui demande le 1-2, qui va être servi, qui va. Résister, la faute sur Mandzukic, pas de faute signalée et les Turcs peuvent s'en sortir. Attention, le pressing, le dégagement et la mi-temps sur le score de 1-0 pour les Turcs. Bon, j'avais prévu 2-0 pour les Croates, c'est vraiment pas bon ça. Je n'ai pas encore fait les comptes hein, du jeu concours. Mais voilà, hein, c'est sûrement très rapide. Allez, une petite question
Euro, hein, essentiellement. Dans quelle ville se situe le camp de base de la Croatie? Ça va vous faire rechercher au moins, ce ne sera pas une réponse immédiate. On n'a pas beaucoup d'occasions dans ce match finalement. On espère qu'en seconde période, ça va s'animer. Voilà, quelle est donc la ville qui accueille, quel est le camp de base donc de cette équipe croate? Donc voilà, la dynamique kafique. Ouais, il y a beaucoup de hic dans cette équipe. Et pour le moment, ça ne réussit pas. On va regarder, puisqu'on a le temps, hein, de regarder les temps forts qui ne sont pas nombreux, hein. Voilà, il y a une passe en profondeur dans le dos. Magnifique, en tout cas, ce premier but. Facile, hein, but qu'on retrouve souvent. Des passes comme ça dans le dos des défenseurs. Et si l'alignement n'est pas parfait, ou tout du moins si la passe est parfaite, elle. Eh bien, ça mène à l'ouverture du score et Burak Yılmaz, cette passe de Çalhanoğlu. Voilà, donc pour le moment, c'est la seule occasion, hein, notable à la cinquième minute. Les Croates qui se confrontent et pas de tir pour les Croates, c'est surprenant. J'espère que la seconde période va être plus animée. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc, ça ce sera plus simple. Mais c'est vrai que là, je suis un petit peu surpris de ne pas avoir les Croates à leur meilleur niveau. Pas une génération la plus belle, hein, qu'on ait connue dans ce jeu, pas beaucoup d'occasions. Voilà, c'est dommage, mais on a quand même un but. Allez, à tout de suite.